Il y a quelques années, on surprenait déjà le spectateur sur YouTube. Assaut ou mitraillette là, tu vas prendre quoi? Moi je prends, je suis plus assaut moi. On l'étonnait d'une façon bien plus simple. Moins professionnelle. Je suis stagiaire donc vous allez peut-être mourir. Attendez, il y a l'hélicoptère là et ça t'a plus parlé. Mais d'autant plus authentique. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi on a toujours parlé de la volonté d'innover? Tout simplement pour faire face à la demande du spectateur et réussir continuellement à le surprendre. Ce même spectateur qui finit par être plus exigeant, se lasser et aller voir ailleurs. Surprendre agréablement le spectateur était une preuve d'innovation réussie. Dernièrement, la donne a bien changé, puisque la surprise ne suffit plus. Nous avons exploré tellement de choses sur cette plateforme qu'il devient difficile de continuer sur cette voie. Et au lieu de se contenter de ce qu'ils ont, certains ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Non plus surprendre, mais choquer. Une façon bien plus radicale de créer ce sentiment chez autrui. Une réaction qu'ils souhaitent provoquer dès le titre et la miniature, afin de pousser au clic. C'est là que sont apparues toutes les vidéos prank, les vidéos loufoques, les vidéos scénarisées en IRL, et j'en passe. Et vous voyez, je me pose quelques questions à ce sujet. Jusqu'à quand ce manège va continuer? Quand est-ce que les gens vont se lasser de nouveau? Et que vont faire les youtubeurs si cela se produit? En attendant, la situation continue sur YouTube, et justement, comme l'attendent ces youtubeurs, je réagis, en observant de loin, en analysant cette pratique. Depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué une orientation massive des vidéos vers l'extérieur, l'IRL. Cela a commencé avec la mode des vlogs. Et maintenant, cela continue avec des vidéos scénarisées. Pire qu'un prank, ici, on ment aux spectateurs. On invente une histoire de toutes pièces, et certains ou tous les protagonistes de la vidéo sont des acteurs. Souvent, la situation est choquante, et certaines sont même dans le domaine de l'illégalité. Wow. Du coup, si on est là pour regarder du cinéma, pourquoi se contenter de ces vidéos de bas étage, au point de vue de la comédie, de la réalisation et du scénario? Autant se poser devant un film, une série, vous trouvez pas? Are you sure about that? Implicitement, l'intérêt du concept est de savoir si la vidéo est vraie ou fausse, mais aussi d'observer une pratique illégale ou pas banale. Le mensonge et la comédie deviennent d'autres moyens d'innover et de créer de nouvelles situations à exploiter en vidéo. Mais mentir une fois, deux fois, trois fois, et le spectateur finit par retenir la leçon. L'histoire de celui qui criait au loup se reproduit sur YouTube. Ainsi, les spectateurs se montrent moins naïfs et finissent par douter de tout et n'importe quoi. Ils ne cliquent plus aussi facilement sur une vidéo. À une période, on doutait de l'intention des youtubeurs vis-à-vis de l'argent, ben maintenant, on doute de l'authenticité de leurs vidéos. Je prends un exemple tout bête. Cette vidéo sortie récemment. Avant de la voir, on peut douter de sa véracité, en se disant « Ah, encore un fake d'un youtubeur qui veut faire plein de vues !» Et pourtant non, la vidéo est bien réelle, et elle est excellente d'ailleurs. Pourquoi cet exemple? Pour vous expliquer que dorénavant, tous les youtubeurs sont exposés à la méfiance du public, à cause de certains, même si leur démarche est loin du mensonge et du choc. Beaucoup continuent dans la logique de surprendre, avec un petit brin de trop, en jouant justement avec la frontière entre la surprise, le choc et le clickbait. Par exemple, regardez ces vidéos. La barre est tout simplement trop haute. Des initiatives possibles pour ces grands youtubeurs, mais pas pour tous les autres. Des choses que la plupart d'entre nous n'ont jamais réalisées de leur vie. Au final, nos petites vidéos maison font bien tâche à côté. Le danger étant d'habituer le spectateur à de telles vidéos, au point que celles-ci finissent par être banales. Et que dire des vidéos qui étaient déjà banales par le passé? À force de toujours vouloir surprendre le spectateur, comment sera-t-il possible de le faire à l'avenir, lorsqu'on aura tout vu sur YouTube? Et à force de lever la barre toujours plus haut, est-ce qu'on s'éloigne pas de l'authenticité qui nous a poussé à délaisser la télé pour YouTube? Où est passé ce côté amateur qui donnait du charme aux vidéos de nos youtubeurs? Est-ce qu'on se rapproche pas de la télévision? Et pour terminer, comment choquer plus
qu'en s'exposant à la mort en vidéo. Les vidéos dangereuses sont de nouveaux concepts controversés sur YouTube. Encore une fois, choqués pour faire des vues, sauf que cette fois-ci, le prix à payer est de mettre sa vie en danger. En soutenant ces vidéos de plus en plus dangereuses, ce sont des drames qui risquent encore de se produire par la suite. Et les gens ne semblent pas prendre l'ampleur de certaines actions, à croire que l'être humain est invincible. D'autres semblent complètement se ficher des youtubeurs auxquels ils sont abonnés. Ils souhaitent simplement une dose de sensations fortes, même si cela signifie la mise en danger d'autrui. Et les drames se comptent de plus en plus nombreux. Dernièrement, une jeune femme a tiré sur un jeune homme en vidéo. Celui-ci se protégeait simplement d'un livre, le but étant de voir si le livre arrêterait les balles. La réponse est obtenue, mais à quel prix ? Et le pire dans tout ça, c'est que la plateforme soutient ces vidéos dans la catégorie tendance, même si ces vidéos sont contraires à son règlement. Nous avons tous et toutes une part de responsabilité dans l'évolution de YouTube. À chacun d'entre nous d'y réfléchir. Donnez-moi votre avis en commentaire et je vous propose maintenant d'autres contenus de ma chaîne, mes réflexions.